Comment avoir un plant d'ananas gratos chez soi et qui donne des ananas? Au moment du découpage de l'ananas, si vous voulez avoir une plante gratuite, vous pouvez faire pousser ça. Celui-là, c'est juste pour la démo, hein, mais celui-là, quand il est dans cet état-là, il ne prendra pas. Voilà, là, c'est clean. Là, il va être prêt à être planté. Vous allez le laisser peut-être une demi-journée sur votre plan de travail, pas en plein soleil, hein, faut pas qu'il sèche trop, mais comme ça éventuellement ça pourra enlever le risque de moisissure s'il reste du fruit. Ensuite vous le posez simplement sur la terre, un terreau assez propre que vous avez éventuellement passé au tamis, juste vous le posez. Au bout de quelques jours vous allez apercevoir des débuts de racines qui sortent de la queue de l'ananas, et ben voilà. Vous êtes en train de réussir, félicitations, bravo. J'ai plusieurs variétés d'ananas chez moi que j'ai fait pousser. Et puis j'ai même un ananas. Alors je vous ai dit que vous auriez un ananas, je ne vous ai pas dit la taille de l'ananas. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai menti. Attention, je refuse. Mais par contre, effectivement, dans un petit pot, c'est un petit ananas. Mais c'est pas grave, il a le mérite d'exister, ça veut dire que ça marche, que c'est cool. Et moi j'aime bien. Ça sent bon. C'est un peu acide. Je pense qu'il n'était pas tout à fait mûr. C'est vraiment dommage. Zéro gaspillage. La peau, on fait une boisson fermentée. Un petit peu alcoolisé, attention pour les enfants. On a notre fruit pour le dessert, salade de fruits, tralala, ou à déshydrater. Mais oui, à déshydrater, c'est ce qu'on va faire. Et je vais vous faire une recette de rhum que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Je vous fais une vidéo là tout de suite, je vous montre ma recette de rhum qui tabasse. Rhum ananas coco, quoi. Je vous m'en dirai des nouvelles. Je suis un génie.